Salut à tous, c'est Manon Bril et je suis au Havre, en Normandie. Le Havre est bien sûr très connu pour son port qui est le deuxième de France après Marseille, mais la ville qui a fêté l'an dernier ses 500 ans regorge aussi de petits détails insolites que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Nous sommes ici dans la ville basse, donc au niveau du port, et cette zone a été en très grande partie détruite pendant la guerre, puis reconstruite ensuite, c'est pour ça qu'elle est assez moderne. En revanche, la ville haute a conservé une grande partie de son patrimoine historique. La ville haute et la ville basse sont reliées par un funiculaire et moult escaliers que vous ne manquerez pas d'emprunter si vous vous promenez ici. Plusieurs détails culturels et insolites ont retenu mon attention, je vous propose le temps d'une vidéo qu'on parte à la chasse aux détails à vrai. Très célèbre qui a immortalisé le port du Havre tel qu'il était à la fin du 19e siècle, c'est le tableau de Claude Monet, Impression, Soleil levant. Le tableau, qui est aujourd'hui conservé au musée Marmottan Monet à Paris, est très connu car il a donné son nom au mouvement impressionniste, un courant artistique qui se démarque de la tradition académique de l'époque. Il ne s'agit pas de grandes fresques historiques ou de thèmes religieux ou mythologiques, mais de paysages, de scènes d'extérieur ou de la vie quotidienne. Le style tente de reproduire les sensations visuelles, les impressions éphémères et fugaces que l'ombre, la lumière, les reflets laissent sur l'œil en fonction des heures de la journée ou des saisons. Ces artistes sont d'abord fortement décriés et c'est le critique d'art Louis Leroy qui les qualifie péjorativement d'impressionnistes en s'acharnant particulièrement sur le tableau de Monet. Mais ces derniers non seulement acceptent, mais en plus s'approprient ce surnom pour créer le mouvement impressionniste. Ces peintres ont la particularité de peindre en plein air, en observant directement les paysages et non les modèles des ateliers, pour étudier les jeux de lumière. Et c'est par ici que Claude Monet s'est installé pour peindre son impression Soleil levant, sans doute un matin de bonheur, alors qu'il séjournait au Havre, ville dans laquelle il a grandi. Le Havre est alors un port en pleine expansion et connaît une importante modernisation. Grâce à des études françaises et américaines basées sur des photos, des plans, des documents anciens, mais aussi des données topographiques, astronomiques et météorologiques, on a pu confirmer qu'il s'agissait bien d'un soleil levant, mais aussi déterminer le lieu précis représenté par Monet, une vue de l'écluse des transatlantiques ouverte construite en 1862. Il est très probable que Monet ait peint son tableau depuis l'hôtel de l'Amirauté qui était à l'époque entre le 41 et le 45 du Grand Quai, c'est-à-dire ici l'actuel quai de Southampton, Southampton. Monet y louait probablement une chambre au deuxième ou au troisième étage et il a décidé d'y peindre ce que la vue depuis celle-ci laissait voir, le port industrialisé en direction sud-est et l'écluse qui s'ouvrait sur le bassin de l'Eure. Par l'analyse de la position du soleil sur le tableau, les horaires d'ouverture de l'écluse ainsi que se démarrer et la direction du vent, il semble le plus probable que le tableau ait été peint le 13 novembre 1872 vers 7h35 et en une seule fois, même si d'autres dates sont envisagées par les chercheurs. Comme vous pouvez le voir, les lieux ont bien changé depuis, mais à l'époque, le port est un symbole de la révolution industrielle et on aperçoit dans le fond du tableau les fumées qui s'échappent des cheminées, les grues sur les docks ainsi que les silhouettes des bateaux. Nous aussi, on s'est levé aux aurores pour essayer de retrouver les couleurs et les lumières que Monet a pu observer, même si on n'est pas exactement en novembre. Bon, c'est sûr que c'est pas exactement ça, mais la mer et le soleil sont toujours là, eux, hein, et puis c'est quand même autre chose qu'un filtre Instagram. Le Havre est une ancienne ville fortifiée, mais elle a été largement ravagée par la guerre. À partir de 1940, les Allemands l'occupent et la transforment en base militaire, intégrée au mur de l'Atlantique, un système de fortifications côtières destiné à empêcher une invasion par la Grande-Bretagne. Les Alliés vont donc massivement bombarder la ville, et tout particulièrement en septembre 1944, lors de l'opération Astonia, destinée à faciliter la progression des troupes débarquées 3 mois plus tôt en Basse-Normandie. Le bilan comprend 5000 morts et 150 hectares rasé, laissant le centre-ville et presque la totalité du port à néant. Et la ville est prise. La reconstruction du centre-ville, après la Seconde Guerre mondiale, est orchestrée par l'architecte Auguste Perret. Son projet ne prévoyait pas de reconstituer le Havre à l'identique, mais de le rebâtir selon les préceptes d'une ville neuve, alors en vogue, pour affirmer la renaissance d'une France nouvelle et moderne après la guerre. C'est l'esprit de progrès qui domine, et l'idée est d'offrir à tous ici air, calme, soleil et espace.
Après une période d'oubli, le centre-ville est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005. Malgré cette reconstruction, certains endroits de la ville portent encore les traces de l'ancienne configuration. Comme ici, rue de Paris, qui relie l'hôtel de ville au front de mer, où l'on peut voir des pavés de couleur qui marquent les traces des anciennes fortifications. Et oui, ça aussi c'est un petit détail discret, qu'on voit pas forcément, mais qui en dit long. Vous pouvez retrouver un dispositif très sympathique qui s'appelle la promenade littéraire. C'est une balade culturelle, la première dans le style en France. Elle se compose de 20 étapes matérialisées dans la ville par des bancs sur lesquels vous pouvez lire des extraits d'auteurs célèbres. Stendhal, Louis-Ferdinand Céline, Simone de Beauvoir, Honoré de Balzac, Émile Zola, Gustave Flaubert, Jean-Paul Sartre, etc. J'ai envie de te dire, va sur le site, connecte-toi, regarde la liste des auteurs et va voir l'extrait qui t'intéresse. Le projet, conçu en 2014 par Sonia Anton, chercheuse en littérature française à l'UT et l'Université du Havre avec ses étudiants de licence, est accompagné d'un site web accessible avec un QR code sur lequel vous pouvez retrouver les extraits, des photos de l'époque, ainsi qu'un plan de la balade que vous pouvez suivre pour vous culturer. Allez hop, allez, sortez un peu, allez vous cultiver! Puis si vous n'avez pas internet, ce qui du coup est très bizarre parce que ça veut dire que vous ne pourriez pas regarder cette vidéo, donc je ne sais pas pourquoi je vous parle. Bref, en tout cas, vous pouvez lire l'extrait concerné sur le banc. Ce qui est top et que les gens savent moins, c'est que le banc se trouve là où l'extrait est censé se passer, ou du moins dans un endroit qui ressemble à celui où l'extrait se passe. Et ça, je trouve ça plutôt stylé en fait, plutôt très cool. Un peu comme le lieu du tableau de Monet tout à l'heure, on peut s'immerger totalement. Donc ici, je suis au banc Stendhal qui évoque le Havre dans Les Mémoires d'un touriste qui a été publié en 1838. Et dans ce roman, son personnage contemple la ville depuis la tour François Ier qui se trouvait ici, à l'entrée du port jusqu'en 1861. Je vous lis l'extrait. Ma première sortie a été pour la plateforme de la tour de François Ier. En faisant le tour de l'horizon avec ma lorgnette, j'ai découvert le charmant coteau d'Ingouville que j'avais parfaitement oublié. Il y a plus de 7 ans que je ne suis venue en ce pays. J'ai descendu deux à deux les marches de l'escalier de la tour et c'est avec un plaisir d'enfant que j'ai parcouru la belle rue de Paris qui conduit droit à Ingouville. Tout respire l'activité et l'amour exclusif de l'argent dans cette belle rue. On trouve là des figures comme celle de Genève. Elle conduit à une place qui est, ce me semble, l'une des plus belles de France. Bien joué le Havre. Après la Seconde Guerre mondiale, la ville est progressivement reconstruite tout au long du siècle. Un des lieux culturels les plus importants de la ville est bâti à la fin des années 70. Nous sommes ici à l'espace Oscar Niemeyer devant le volcan. Avec deux salles de spectacle, c'est un important lieu de production artistique où on peut écouter de la musique, voir du théâtre, de la danse, du cirque et tout type de production plasticienne. C'est donc le célèbre architecte brésilien Oscar Niemeyer qui a conduit le chantier entre 1978 et 1982. Le bâtiment abritait d'abord une maison de la culture de France, un dispositif impulsé par André Malraux en 1961. Il est alors ministre des Affaires culturelles et le but est de rendre l'art accessible à tous. Aujourd'hui, c'est national, il est inscrit en 2005 au patrimoine mondial de l'UNESCO comme tout le reste du centre-ville. Depuis, il a été réhabilité et restructuré afin de redynamiser le cœur du Havre. L'occasion pour lui de subir un petit lifting. Évidemment, tous les Havrais connaissent cet endroit, mais ce qui est beaucoup moins connu, c'est que le plan en vue aérienne forme en fait une colombe. Vole, petite colombe! Ici, on est à l'église Saint-Vincent de Paul, qui a été construite au 19e siècle, à un endroit où les gens ne disposaient pas encore de lieux de culte. Il y a un détail insolite sur la façade qu'on n'a pas trop souvent l'habitude de voir sur les églises, c'est la devise de la République française. En fait, c'est un phénomène beaucoup plus courant qu'on ne le croit, et il existe plus d'une centaine d'églises en France qui présentent des symboles républicains. Si des formes équivalentes existent dès la Révolution française, la devise Liberté, Égalité, Fraternité est officialisée pour la première fois en France en 1848. Après une trêve sous le Second Empire, c'est surtout pendant la Troisième
Ve République à partir des années 1880 qu'on la voit fleurir sur les façades de bon nombre de monuments publics. La séparation de l'Église et de l'État a lieu en 1905 et la loi prévoit que la propriété des églises passe aux communes, qui en ont donc une obligation d'entretien. Certains maires zélés décident alors d'y apposer la devise ou des symboles républicains. L'église du Havre est très récente puisqu'elle date d'entre 1849 et 1863. J'ignore à quel moment exactement la devise a été apposée sur la façade, mais c'est vrai que c'est un détail assez rigolo qui est témoin d'une époque où le dialogue entre l'église et l'État était assez complexe. Bon, ok, aujourd'hui on n'a pas dit que c'était simple non plus. Hein. Ah, j'ai envie de me baigner moi. Voici donc 5 anecdotes insolites sur la ville que vous n'aviez peut-être pas remarquées. Bon, ok, le plan en forme de colombe du volcan, vous risquez pas de le voir à moins d'avoir un hélicoptère, mais vous pouvez aller sur Google Maps pour vous en rendre compte. Cette vidéo a donc été tournée en partenariat avec la ville du Havre, que je remercie pour ses conseils avisés. N'hésitez pas à vous balader dans ces rues pour assouvir votre soif de curiosité. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre histoire.